Bonsoir à tous et à toutes, est-ce que ça va bien? Non, on ne vous a pas entendu, on a un tirage au sort, on a une voiture à faire gagner. Est-ce que ça va bien? Je suis désolé, on est dimanche, je sais, c'est le premier, c'est la fête du travail, mais on ne vous entend toujours pas. Il y a une voiture à gagner, un iPhone 13, il y a plein de gros cadeaux avec le Rotary Club. Donc est-ce que ça va bien? Ah, c'est un pour moi. Est-ce que ça va bien? Je passe le micro à Olivier, notre président. Merci. Ben, bonjour à vous, bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup de votre présence. C'est une grosse action qu'on a menée. Je vous remercie déjà d'avance de votre participation. J'espère que parmi vous, il y aura les 5 gagnants des 5 lots que nous ferons dans ce petit baudet avec la numérotation et le ticket qui correspond. C'est l'objectif. Et avant, quelques petits remerciements. Déjà, remerciements aux scouts qui nous ont aidés sur ces deux derniers jours, à la fois à la vente, à la fois, ils ont fait façon très élément et avec beaucoup de professionnalisme, ils ont tous réussi leur CAP vente. Après, je voudrais également remercier l'ensemble des Rotariens qui sont mobilisés. C'était une action du Rotary, mais effectivement, ça nous demande beaucoup d'action, beaucoup d'énergie, et je peux vous garantir que c'est beaucoup de boulot. Après, je voudrais remercier aussi d'autres associations qui nous ont aidés. Il y a la Croix-Rouge française qui nous a apporté son soutien. Et merci à eux. Il y a également Maître Lebouche qui est présent, qui va assurer que le tirage se fait de façon très officielle et sans aucun problème. Et là aussi, ça sera sous son contrôle. Et merci à lui pour sa présence. Ensuite, nous allons vous lâcher un Rotarien assez étanche qui va essayer de se mouiller les pieds, mais pas trop. On va voir s'il finit tout bleu comme un schtroumpf. Il est déjà habillé comme un schtroumpf, donc ça ne devrait pas trop se faire. C'est lui qui va tirer officiellement les canards, avec les yeux bandés. Donc il va falloir, une fois que les 12 000 canards seront dans la piscine, on va les brasser un petit peu pour être sûr que ce soit juste et équitable pour tous. Et après, vous allez l'orienter à droite, à gauche, devant, derrière, de façon à essayer que ce soit votre canard qui soit tiré au sort. Donc nous allons tirer 10 canards sous contrôle de Maître Lebouge et après on aura forcément nos gagnants. Voilà, on peut y aller. Olivier, si tu es à la manette, on va pouvoir lever le godet, jeter les 12 000 canards. Allez, on va s'en prendre. Attention. Manquez avec moi. Allez. 5, 4, 3, 2, 1, lâchez! Voilà! Et maintenant, on va demander à Patrick de les brasser tous ces petits canards. Il y en a 12 000, vous pouvez les compter si vous y arrivez. Et voilà.